Stéphane, est-ce que tu peux me dire la date d'aujourd'hui, s'il te plaît? 26. 26, très bien. Quel mois? Juin. Juin. 2014. 2014, super. Est-ce que tu te rappelles dans quelle saison on est, Ethan? L'été. Dans l'été, super bien. Les enfants, aujourd'hui, c'est un jour de quelle couleur? Vert. Vert, parce qu'on est à l'école. 3, 4, 5. Deux jours. Et puis, c'est les vacances. Qui est-ce qui est content? Moi. Eh bien, moi aussi, je suis contente pour les vacances. Le printemps, à quoi on reconnaît le printemps? Ça, c'est une très belle saison, le printemps. Simon, à quoi on reconnaît le printemps? Un arc-en-ciel. Les fleurs pousses. Un arc-en-ciel, il peut avoir ça dans n'importe quelle saison. Il suffit qu'il y ait de l'amour. Comment est-ce qu'on arrive sur la Terre? Est-ce qu'on tombe d'un nuage? Non, comment est-ce qu'on arrive? C'est Dieu qui a voulu qu'on naisse. Ça, c'est super important. Alors d'abord, on grandit dans le ventre de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a déjà vu une vieille personne? Qu'est-ce qu'il y a à papy et mamie encore? Salut les gars, les filles, on va voir ensemble ce que c'est qu'enseigner. Alors Ethan, qu'est-ce que t'apprends à l'école? Les maths, le français, la GE. On apprend à lire, à écrire. T'as appris à compter? Alors, c'est quoi ce numéro? 43. Et toutes ces choses que t'as apprises à l'école, elles vont être super utiles pour plus tard, par exemple pour ton futur métier. Tu veux faire quoi toi par exemple? Policier, pasteur, chercheur d'insectes. Waouh! Et il y a plein de livres pour apprendre plein de choses. Et c'est un peu comme la Bible. La Bible, elle nous apprend aussi plein de choses sur Dieu. Regarde, j'ai la mienne avec. Est-ce que tu sais ce qu'elle nous apprend? Oui, la Bible nous apprend à aimer Dieu. Et à lui obéir aussi. Exactement. Et d'aimer son prochain. Dieu, en fait, il nous a donné toutes ses instructions parce qu'il nous aime et il veut le meilleur pour nous. Oh, c'est trop cool! Bah, carrément. La Bible, en fait, elle a été écrite pour qu'on puisse connaître Jésus, parce qu'il nous aime et c'est notre sauveur. Ah oh ouais. Si on écoute ce que la Bible, elle nous dit, ça nous évite bien des soucis. Ben justement, Ethan, on va aller avec Madame Anne-Cathy ensemble et puis on va apprendre un verset de la Bible. Trop cool, Sam. On y va. Allez, on y va. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6.